Il neige de l'encre noire sur le papier blanc. C'est curieux. Il parle l'autre, il parle ainsi. Mais il lui arrive de mentir et de rire de toute éternité. Il parle l'autre, il considère la vie comme un treillis peint de trois couleurs, dont l'une égale les deux autres. Plutôt ciel que le lecteur, en hardi est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Où est-il passé ce premier chant de Maldoror depuis que sa bouche pleine de feuilles de la belladone le laissait échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion? Rappelons les noms de ces êtres imaginaires à la nature d'ange que ma plume, pendant le deuxième chant, a tiré d'un cerveau brillant d'une lueur émanée d'eux-mêmes. C'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant. Lisant la première fois les chants de Maldoror, il observe que les lettres initiales des quatre premiers chants forment le mot « porc ». Vous voyagez beaucoup ? Quotidiennement. Par exemple ? Par exemple ! Du matin au soir. Mais encore ? De Gloria disparue, à Gloria souvenue, à Gloria presque oubliée, à Gloria ressouvenue, etc. Et à Gloria réapparaissante ? Oui, mais c'est loin d'être quotidien. Très loin. Extrêmement loin. Et géographiquement ? D'ici où je suis né, à là, tout en haut, dans le nord. Où je ne meurs jamais. Géographiquement aussi, à tel ou tel point où Gloria se trouve. Oui, quelquefois, entre ces deux voyages extrêmes, je vais à cette troisième extrémité. Lorsque Gloria s'y trouve pour moi, me demande, ou lorsque j'ai le sentiment que Gloria s'y trouve pour moi, me souhaite. C'est rare. C'est comme si c'était trop loin, quoi que ce soit plus proche géographiquement. C'est presque sur le parcours, de toute façon. Je préciserai que Gloria est quelquefois venue ici, jusqu'à moi, ici, et que mon voyage, dans ces circonstances, était d'autant plus précis. Voyage du quotidien, qui n'était plus le quotidien, et d'autant plus que je voyageais avec elle. Où ? Où je ne voyageais qu'avec elle, près d'ici, autrement loin, ailleurs, de toute façon, même ici, où je meurs. J'écris à Gloria, c'est mon travail. Je suis écrivain, Gloria. C'est pour la séduire. Je travaille 8 heures par jour pour écrire à Gloria. Faire les brouillons, faire le net, c'est ma stratégie. Mais parfois je prends congé, parfois même une année, pour que mes lettres lui manquent. Alors je trace des logogrammes. C'est ma distraction. Mon rêve étant de séduire Gloria par mes logogrammes même, dans une civilisation des loisirs. Il parle l'autre, il considère la vie comme un treillis peint de trois couleurs, dont l'une égale les deux autres. Il parle l'autre. Si désolé que soit dans l'extrême nord l'hiver, et si sombre que soit la nuit que nous venions ajouter encore à cette nuit, nous y trouvons énormément de luminosité, moins dans les éclats du ciel réel, proche, ou de la terre infiniment neigeuse, ou d'une brusque aurore boréale,
que dans la sensation, probablement indéfinissable, de vivre tout ce que nous voyons et plus. Je m'emmerde tellement que tous les journaux y passent. J'ai connu au Danemark quelqu'un qui préférait l'hypocrisie au vin rouge. Oh, c'est d'autres mots est au Danemark. Il dira pourquoi le Danemark, je sais pas moi, Asger Jorn, son copain, une réunion Cobra, ses amours, enfin bref, sur un ferry boat entre le Jutland et la Fionie, il aimerait bien fumer une cigarette après le repas et il commande un paquet aux garçons. Monsieur, nous ne vendons pas de cigarettes au restaurant. Il y a un distributeur automatique sur le pont. D'autres mots, catabloc, sur le pont. Ben, sur le pont, il prendrait bien un café tout en fumant sa cigarette. Monsieur, on ne sert pas de café sur le pont. Descendez à la cafétéria. Catabloc. À la cafétéria, il s'adresse à un garçon et dit « Écoutez, je voudrais un café, mais je vous en prie, dites-moi d'abord à quel étage se trouve le sucre, non ?» Vous voulez savoir ce qui ne se passera pas demain ? Lisez la presse de gauche. Travailler ? Tout le temps. La nuit aussi ? La nuit surtout, et la nuit dans le jour. Et dans quelle branche ? Les sources, les racines, les commencements, les entrées, les sorties en matière. Quand vous l'avez vue ? Eh bien... Son allure ? Elle mangeait quelque chose, et je n'ai jamais su si c'était de l'herbe ou moins. Pourquoi vous habitiez l'herbe à ces temps-là ? Oui. Mais après l'avoir vu, j'ai disparu. Vous souvenez-vous d'être mort ? Un peu. Je ne suis pas encore venu à la Terre, sauf ces jours-là et cette fille-là. Et alors, comment voulez-vous vivre ? En me disant que je ne sais pas mourir. L'autre est mort, il parle si loin qu'ici. Il parle l'autre, si loin que je mens. Il parle racine. L'autre est mort, il parle l'autre, il parle l'autre, il parle l'autre, il parle l'autre.